coucou tout le monde, on est lundi le 3 juillet et on va commencer ce vlog en faisant un petit peu de DP cette fois. Je sais que généralement je range, j'organise des diamants avec vous, mais j'ai pas fini les sous-verts. J'en ai fait 4 au total je pense, donc je vous les présenterai à la fin du vlog. Et peut-être que d'ici la fin du vlog, est-ce qu'ils seront terminés? Attendez, je sais pas parce qu'il m'en reste combien. Je crois que j'en ai 12 hein, et j'en ai terminé 4, donc ouais, il m'en reste encore beaucoup. Non, je pense pas que je les aurai terminés à la fin du vlog. Mais je vous montrerai l'avancée au niveau des sous-verts. Donc je me suis dit qu'on pourrait le commencer en travaillant sur ce DP. Alors ce DP, c'est celui que je fais dans le cadre de l'événement que je propose durant les mois de juillet et de août, où vous pouvez faire une image du domaine public. Il y a un groupe Facebook qui a été créé et Kémy m'aide beaucoup. Donc merci Kémy si tu écoutes ce vlog. Elle m'aide avec la gestion du groupe. Et c'est ça, elle avait mis un post pour vous dire que vous pouviez commencer à partager les images. J'ai vu que vous aviez partagé des images. Donc merci aux personnes qui participent. J'ai vu un petit peu de tout au niveau des images. Donc ça c'est cool. J'ai vu des images. Je crois que j'ai vu du Van Gogh, du Jasmine Beckett Griffith, celui qui a fait La jeune fille à la perle, je pense. Donc ouais, il y a plusieurs images. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le groupe pour voir les images sur lesquelles les gens travaillent. Et moi, je vous ai présenté, c'était quand? La semaine dernière, il me semble, le DP sur lequel je travaille. Donc moi, j'ai choisi cette image. Voilà, là, vous la voyez en grand. Et je rappelle qu'à la base, en fait, cette image, pour ceux qui auraient regardé le unboxing, hein, qui est dans un vlog. Hein. Alors attendez, c'est dans quel vlog déjà? Que je regarde vite fait. Le unboxing est dans le vlog numéro... Eh bien, je sais pas. Je sais plus dans quel vlog il est. Il faudrait que je retourne... sur une autre vidéo en fait pour voir. Je pense que ça va être la vidéo dans laquelle j'ai organisé les diamants de ce projet. Et peut-être même que je devrais l'écrire quelque part sur ma feuille. Unboxing dans le vlog numéro 74. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller voir le unboxing, c'est dans le vlog numéro 74. De toute manière, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il va falloir vous avancer dans le vlog pour voir le unboxing de ce diamond painting. Et l'image est beaucoup plus grande. L'image originale que l'artiste a créée. Donc l'artiste, c'est Warwick Gobble, qui est un artiste britannique. Il a créé cette image qui est beaucoup plus grande. Donc elle est plus haute parce qu'il y a des détails juste ici. Et là, il y a un chasseur. D'ailleurs, vous voyez, elle porte dans la main, ou elle tient dans la main, je devrais dire, une lance. Et il y a le chasseur qui est là aussi, qui tient une lance. Si j'y pense, je vous mettrai l'image originale à l'écran maintenant. Comme ça, vous pouvez la voir. Elle est très jolie. Mais moi, je voulais plus mettre l'emphase sur la femme et sur la biche. Pour avoir un DP de plus petite taille. Parce que sinon, je me suis dit, le DP va être immense. Je voulais quand même une taille... vous savez, entre 40 par 40 et 70 par 70. Donc celle-là, c'est une 50 par 50 en diamant rond de AliExpress. Donc c'est un perso que j'ai fait faire chez le vendeur Disney China Store. Je l'avais payé 15,28 $, qui est vraiment pas cher pour un 50 par 50. Mais j'ai eu des frais de livraison de 15,43 $. Ça se pourrait que maintenant, les prix ont complètement changé parce que ça, je le vois sur ma fiche, c'était en 2022. Donc c'est l'année dernière ça, en février 2022. Et au total, elle a 30 couleurs. C'est de la colle double face, comme vous pouvez le voir. Et il y a des cercles autour des symboles, malheureusement. Alors, en ce moment, on regarde la toile sur le côté. J'ai fait à peu près une ligne et demie, déjà, en une semaine, qui est bien. Je suis très contente. Et on regarde la toile comme ça. Alors, est-ce que vous voyez l'image originale, là? Oui. Donc, je l'ai mise sur le côté, parce que ben là, je suis en plein centre, au niveau de la deuxième ligne. Vous voyez, ça, c'est son visage. Alors, c'est très pixelisé, hein. Alors là, vous voyez son nez, ses yeux. Vous voyez, on la regarde comme ça, avec ses cheveux. Et la biche, on est là, on est dedans, en fait. Donc, vous voyez, quand j'enlève ça, j'avais déjà prédécoupé ma section de 10 par 10. Ça, c'est le reste de la tête de la biche.
Et ça, c'est sa poitrine, le début de sa robe. Et là, alors attendez. On va avoir son bras avec la couleur L. Donc ça va être là. Parce que la couleur L, c'est ça. Voilà. Et je le vois là. Donc c'est ça. En ce moment, je suis sur le côté. Et dans cette section, du coup, qui est juste là. Donc beaucoup de roses. Et comme vous pouvez voir, j'ai des cercles autour des symboles. Hein, qui me plaît un peu moins parce que du coup, dans les couleurs pâles, je ne sais pas si vous allez le voir là. On ne le voit pas trop parce que bon, vous êtes zoomé, mais vous n'êtes pas zoomé au max. Mais quand je ferai la vidéo de revue, je vous montrerai comme quoi on voit les cercles. De temps en temps, quand je place mes diamants pas trop droits, on voit le cercle noir qui dépasse autour. Et les diamants, je vous avoue qu'ils ne sont pas super bien taillés. Surtout pas le 310, c'est une catastrophe. Mais je les place pareil parce que ouais. J'ai pas beaucoup de 310 en stock, malheureusement. J'aurais pensé en avoir plus, mais j'en ai pas une tonne. Ah, je vois des poils de Luna. Donc oui, voilà pour l'image sur laquelle je travaille en ce moment. Donc c'est le DP que je vais faire en tant que DP principal. Durant le mois de juillet et de août, si j'arrive pas à la terminer en juillet, mais je pense que je vais être capable de la terminer sur un mois. Et là, j'étais en train de travailler avec le X. Alors, le X, je sais même pas si j'ai fini. Parce que là, ben, vous voyez, il y a beaucoup de confettis aussi. Hein, donc, je change beaucoup de symboles. Est-ce que la mise au point se fait? Ouais, mais bon. Alors, je crois que j'ai peut-être fini. Je regarde vite fait. Parce que là, c'est ça, tout à l'heure, on est parti. Nous, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, c'était férié aujourd'hui, lundi. Donc, nous, on n'a pas travaillé. Ben, férié. Pour nous deux, là. Au niveau du boulot, on n'a pas travaillé. Mais je crois que les banques étaient ouvertes, les magasins étaient ouverts parce qu'on a fait des magasins. On est allé à l'anniversaire. Enfin, on était occupés aujourd'hui. Et c'est ça, là, il est 18h30. Mais on n'a pas faim parce qu'on a mangé toute la journée. Alors, on va faire le 1. Ouais, on va faire le 1. Et les diamants, j'ai l'impression que c'est un mélange de résine et d'acrylique. Là encore, le 1, ça va. Il n'est pas si mal que ça, vous voyez. Ouais. Le 1, ça va. Alors, je vais les aligner et je vais utiliser le multiplaceur. Mais ouais, on va parler dans quelques minutes de l'artiste de cette image parce que ben, j'aimerais en connaître un petit peu plus. Je sais qu'il est britannique, mais j'ai ouvert Wikipédia, la page de Wikipédia où il parle de Warwick Gobble. Et peut-être que même je partagerai certaines de ces images. Ça serait cool, ça, de vous montrer d'autres de ces images qui font aussi partie du domaine public. Mais ouais. Alors ouais, nous, ce week-end, ben... on n'a pas eu un très beau temps. Hein. J'avoue que l'été, du moins ben, depuis qu'on est revenu de la France, c'est pas très beau. Il pleut énormément. C'est très humide. Il fait très chaud. Et c'est pas très agréable en fait. C'est lourd. C'est un temps qui est très lourd. Et c'est ça, on est invité pour un anniversaire aujourd'hui. Et on se demandait si ça allait être annulé parce qu'on savait que ça allait être à l'extérieur. Mais ils avaient prévu des orages, mais finalement, il n'a pas plu. Donc on est parti en début d'après-midi, je dirais même ouais, vers 12h45 je crois qu'on est parti, parce qu'on voulait faire des choses avant d'aller à l'anniversaire. On est allé dans un magasin pour voir une table et des chaises, et on a trouvé ce qu'on voulait finalement, parce que bon, je voulais un modèle qui ne semblait pas trop lourd, parce que j'avoue que là en ce moment on a une table d'IKEA qui a 10 ans et elle est dans un état pitoyable. Et le look est assez lourd quand même. C'est bon, c'est pas un look très très moderne, disons. C'est plus classique. Et moi, je voulais quelque chose de plus moderne mais chaleureux en même temps. Et c'est très difficile, je trouve, de trouver quelque chose qui nous plaît en fait. Hein. Et dans les couleurs qu'on a chez nous. Parce que bon, moi, je voulais une table avec la...
la partie horizontale grise, mais des pattes noires. Alors moi, j'avais vraiment une idée en tête, c'est ça que je vous dis. Et j'ai cherché sur tellement de sites. Et finalement, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde ce magasin, il a. Viens, on va voir s'ils l'ont sur place, en fait. Parce que bon, commander en ligne, moi, j'aime pas trop ça si j'ai pas vu avant le produit en vrai. Donc, on était là-bas et ça nous a permis de voir la table en vrai, les chaises en vrai. Et en plus, il y a des soldes de 40% ou 35% en ce moment. Donc, ça revient vraiment pas cher pour un set complet de table et de chaises. Et là, du coup, c'est ça, on est rentré, on a mesuré. Il y avait des petits trucs qui plaisaient pas à mon mari. Parce que c'est vrai que les pattes de la table, ben, elles sont assez particulières quand même. Parce que c'est un petit peu plus moderne. Et ça, il y a pensé là, parce que bon, ça fait quelques... Bon, ça fait une heure qu'on est rentré là. Et là, finalement, il me dit, allez, Lorraine, commande, parce qu'on ne trouvera pas quelque chose comme ça à ce prix-là. Mais là, j'avoue que le... Bon, le produit, il est en... En anglais, ils disent back ordered, c'est-à-dire qu'il est... Il n'est pas disponible en ce moment. Il n'est pas en stock. Donc, la table n'est pas disponible avant le mois d'août, je pense, et les chaises avant septembre. Donc, je pense que le tout serait expédié en septembre. Donc, avec un petit peu de chance, en septembre, on va avoir une nouvelle table. Et j'aurais plus besoin de filmer mes unboxings sur cette table noire qui a des défauts de partout. Et même, ça sera plus joli dans la salle à manger. Donc, ouais, on est content, finalement, d'avoir trouvé ça. Ensuite, ben, on est allé à l'anniversaire. On est resté... Ah, je dirais un bon deux heures et demie. Ça nous a permis de voir beaucoup de monde qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je cherche mes deux là. Je pense que je les ai terminés. Et ensuite, en revenant, on s'est arrêté à un autre magasin pour voir des chaises de table aussi, noires, parce qu'on veut des chaises noires pour aller avec les pattes de la table noires, mais on ne les a pas aimées au deuxième magasin. Donc, je pense qu'on va rester avec le plan original. Alors là, je vais prendre le L. Donc ouais, aujourd'hui on était occupé. Bon, c'était une matinée calme, mais l'après-midi, ouais, c'était occupé, mais c'est pas grave. De toute manière, on aime bien de temps en temps avoir des petits projets, des petits trucs à faire. Et samedi, hier on n'a rien fait, dimanche. Et samedi, ma belle-mère est venue avec son mari pour le lunch, pour le déjeuner, et on leur a montré les photos de la France. Ils étaient bien contents d'ailleurs. Donc ouais, dimanche, samedi, ils sont restés ben à midi jusqu'à ben 15-16h. Donc ouais, c'est un bon week-end. Demain, du coup, c'est retour au boulot. Retour au boulot. Alors là, on a du L. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai là. Ah, je ne vous ai pas présenté le stylet. Je ne vous ai pas présenté le matériel. Alors, stylet... l'embout, comme d'habitude, c'est Everlasting Tips. Je vous mets tout le temps le lien des produits en barre d'infos. D'ailleurs, je voulais vous dire, au niveau de ça, des liens... Bah, attendez, je vais terminer. Donc, voilà, ça, c'est l'embout en métal. Ça, c'est le stylet que j'utilise avec ce DP que j'aime beaucoup. C'est un stylet que j'avais acheté sur Etsy, je pense, de la boutique O'Brien Custom Diamond Painting Pens. Je pense que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Et il est magnifique, c'est un hybride. Donc vous voyez, il y a la partie faite en bois là, de ce côté-là. Et là, ce sont des fleurs séchées. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et je me suis dit qu'avec cette image, ça s'agence super bien. Il est fin. La forme est particulière si vous regardez là. Enfin, si vous voulez prendre une photo de ça pour envoyer la forme à un vendeur qui tombe décidé, moi ça ne me dérange pas. Mais vous voyez comme il est particulier, il y a une bosse là, assez large. Là, c'est plus fin, toute petite bosse. Là, c'est une longue, encore une longue. Et là, au milieu, elle est un petit peu plus... elle est arrondie aussi, mais un petit peu plus plate hein, et large que celle-là. Donc, c'est vraiment une forme spéciale. Et du coup, moi, le stylet, vous voyez, je mets mes doigts là. C'est mon maintien, ça, ici.
Est-ce que c'est vraiment mon maintien? Attendez, je vais faire un test. Je crois que oui, hein. Ouais, vous voyez? Là, là. C'est ça. Généralement, j'aime avoir un appui ici, en bout. Mais c'est un stylet que j'aime beaucoup. Mais il est un petit peu plus fin que ce que j'ai l'habitude de travailler avec. D'ailleurs, j'ai essayé de travailler sur la Jade Gem Shop avec ce stylet. Et malheureusement, pour le carré, j'aime pas. C'est bizarre, hein? Comme quoi, placer des diamants ronds avec ce stylet, ça va. Mais sur du diamant carré, j'ai pas aimé. J'avais pas assez de contrôle. Parce que le carré, ben, vous savez, c'est plus particulier à poser, il faut que ça soit bien droit. Le rond, bon, c'est rond, ça n'a pas besoin d'être droit. Mais du coup, je suis revenue avec ce stylet pour le Jade Gem Shop parce que c'est plus épais. J'ai un meilleur contrôle, disons. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon, regardez, c'est comme ça. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je voulais en profiter pour le dire que maintenant, sous les vlogs, vous allez avoir une section. Il faut que je le reprenne. Le dernier vlog parce que c'est ce que j'ai fait. Donc il y a une section en bas dans la barre d'infos où je mets maintenant le lien du matériel que j'utilise pour le diamond painting. Vous allez voir, c'est le dernier lien avant les groupes Facebook, page Instagram et tout ça là. Donc c'est ça, regardez pour lien du matériel que j'utilise pour l'EDP. Et je vais essayer de mettre là toutes les boutiques auxquelles je pense au fur et à mesure que je monte les vlogs. Donc éventuellement, cet espace-là, là, cette liste, elle va être plus longue. Là, pour l'instant, il y a des plateaux de Archer's Art qui sont encore à vendre, je pense, hein. Je sais que Laetitia a dit que la boutique a fermé, mais ça n'a pas fermé. Ça a fermé pendant quelques temps, mais là, ça a réouvert. Donc pour ceux qui veulent essayer les plateaux de Archer's Art, je vous invite à commander sur leur site, parce que ça a réouvert. Je crois que ouais, je regardais le vlog de Laetitia ce week-end et elle disait que ça a fermé, mais moi je pense pas parce que le lien est actif là sur mon ordi. Et j'ai mis, pardon, les boîtes de rangement que j'utilise pour les diamants spéciaux. D'ailleurs, peut-être qu'entre parenthèses, je vais marquer à côté de boîtes de rangement diamants spéciaux. Parce qu'ensuite, il va y avoir une autre ligne, boîte de rangement, projets principaux, boîte de rangement, valisette. Ça se pourrait que j'ai comme trois liens pour les boîtes de rangement. J'ai mis les pochettes en plastique dans lesquelles je mets mes restes de diamants. J'ai mis multiplaçant de Everlasting Tips et le cutter. Donc au fur et à mesure que je vais vous montrer du matériel en vlog, je vais le rajouter dans cette liste. Donc je vous invite à regarder dans la liste pour le matériel que je présente dans les vidéos. Ah, il y a du L aussi en multiplaceur. 1, 2, 3, 4. Ok, là je peux en mettre 4. Donc c'est ça. C'est ça que j'ai commencé à faire. Comme ça, cette section-là, je pense que je la mettrai sous toutes mes vidéos. Toutes, 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 toutes. Comme ça, pour les gens qui se posent des questions, ben, je ferai un copier-coller d'une vidéo à l'autre. Comme ça, vous allez avoir le lien de tout le matériel que j'utilise. Et je listerai aussi pour les stylets mes boutiques préférées. Comme ça, vous allez tout avoir. Ouais, parce que ça faisait quelque temps que je voulais le faire et je me suis dit, allez, c'est l'occasion là, je monte le vlog. Ben, j'étais en train de faire tout le texte et je me suis dit, ben, je vais le faire maintenant. Donc, ouais. Alors, il y a encore du L. Ah, il y a du L là-haut aussi. C'est ça que je vous dis, c'est beaucoup de confettis, cette toile. Bon, maintenant, je veux dire, j'aime travailler sur la toile. Mais alors, ce qui m'embête, c'est toutes les rivières. Parce que dans presque chaque section, je suis en train de couper des rivières. Ça me saoule. Je vous dis là, avoir les toiles en col coulé, c'est beaucoup mieux que le double face. Beaucoup mieux. Donc ouais, c'est pour ça que généralement, ben, ce que je vous présente, c'est en col coulé. Parce que ben, il n'y a pas de problème de rivière sur les toiles. Ouh là là, j'ai un coup de fatigue tout d'un coup là. Mais en même temps, c'est ça, je voulais commencer le vlog ce soir parce que demain soir, on va au restaurant avec des amis. Après le travail. Ben, après le travail, un petit peu après là, en soirée. Et mercredi, on a un rendez-vous avec la designer pour continuer les plans de la salle de bain. Parce que bon, ça, on l'avait laissé en plan pendant quelques temps, mais
Mais ouais, parce qu'au début, ils voulaient faire les travaux fin août, début septembre, mais non, c'est juste pas possible. On n'a même pas fait le choix de la douche, on n'a pas fait le choix de du bain, parce qu'on veut une douche et un bain dans la salle de bain, parce qu'elle est assez grande, donc on peut se permettre de mettre les deux. On n'a toujours pas choisi l'évier, on n'a toujours pas choisi la robinetterie pour la douche, pour le... Enfin bon, il reste tellement de choses à faire qu'on s'est dit non, ça va aller à l'année prochaine, le temps qu'on choisisse tout en fait. Mais ouais, on a rendez-vous avec la designer mercredi pour discuter de certaines choses. Et ensuite, il y a un soir où on veut aller voir... Comment je pourrais expliquer ça? Ça s'appelle The Lost Kingdoms. C'est en fait des dinosaures qu'ils ont fait en grandeur réelle. Donc les dinosaures que vous voyez dans les films là, comme Jurassic World ou Jurassic Park, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et ils ont reproduit du coup les dinosaures, pardon, en grandeur réelle. Et je sais qu'ils étaient à un moment donné à Ottawa, à Montréal. Et là maintenant, en ce moment, ils sont à Ottawa et ça s'appelle The Lost Kingdoms. Et si j'ouvre par exemple le site juste pour vous donner une idée, alors est-ce que je peux le mettre en français? Ouais, je peux. Donc vous voyez, ça dure jusqu'au 9 juillet. Donc ça dure pendant encore 6 jours. Et nous, on aimerait bien y aller. Et ça dit voyage dans le temps du Jurassique à l'ère glaciaire et rencontre des dinosaures et des créatures de cette période. Et comme je vous l'ai dit, ils les ont fait vraiment grandeur nature. Et ils disent d'ailleurs que ce sont des dinosaures qui sont animés. Ils disent que c'est une aventure amusante et éducative, des créatures massives de l'ère glaciaire. The Lost Kingdoms arrive à Ottawa. Donc des effets sonores imitant rugissements, grognements et sifflements s'associent au mouvement robotique des dinosaures pour une expérience plus impressionnante et plus réaliste à vivre en famille. Ils disent que c'est une expérience pour tous les âges. On vous promet une journée passionnante en famille à découvrir de plus près les incontestés rois de la période jurassique. Une promenade parmi les géants sur Jurassique. Donc remonte le temps à l'époque où les dinosaures dominaient la Terre. Explore le parc, mais prends garde aux grands lézards prêts à surgir à chaque virage. Ils se cachent dans les buissons, broutent sur la crème des arbres, sur la crème, sur la cime des arbres, pardon, et se dressent au-dessus de nos têtes. Voilà, et c'est du 23 juin au 9 juillet à Ottawa. Et donc pour ceux qui habitent peut-être dans la région et qui ne le sauraient pas. Et ça ouvre à 10h le matin, ça ferme à 18h et la dernière entrée peut se faire jusqu'à 17h. Et ils disent de prévoir une bonne heure en fait, 60 minutes. Et c'est à Nepean, pour ceux qui sont dans la région, à Wesley Clover Parks. Ouvert à tous. Et c'est ça. C'est 20 $ par personne. On peut acheter les billets en ligne. Donc ouais, on aimerait y aller. On aimerait beaucoup y aller. Ça a l'air cool, bien que bon, on n'a pas d'enfants, mais c'est pas grave. On veut vraiment voir ça parce que ben les revues sont excellentes. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. On avait vu la machine parce que ça c'est français français, je pense, la machine. Il y a quelques années de ça et ça c'était une expérience super aussi. Je crois qu'ils étaient là pendant une semaine ou presque deux et on était allé à trois de leurs événements et on avait adoré. On avait juste adoré. Et là, c'est ça, on veut faire ça, mais quand on n'est pas sûr, donc soit on le fera un soir cette semaine, soit on le fera le week-end. Le week-end, je pense qu'il y aura plus de monde. Mais ouais. Le S. Est-ce que... Alors, il y a un problème avec ce DP. Le S et le 5 se ressemblent énormément. J'en parlerai dans la revue parce que... Ça peut être, comment on dit ça? Il faut que je sois attentive. Je vais faire le 7. Ça va être plus facile parce que je le vois bien. Là, vous voyez, j'ai des diamants qui sont collés ensemble. Je vais prendre cette pince-là. Vous voyez, ces diamants-là, là, ils sont collés ensemble. Là, il y a des coups, y a des diamants collés ensemble. Là, c'est comme des amas. Dans cette couleur, il y en a pas mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je note sur ma fiche aussi.
parce que ben sur mon carnet, parce que je note le positif et le négatif. Mais ça, vous voyez, je pense que c'est de la résine. Ouais, je pense que c'est de la résine, ça. Mais et après, il y a un autre diamant. Il y a un autre DMC, c'est lequel? Je l'ai noté. C'est le DMC 498. J'ai deux bains différents. Donc bon, est-ce que je vais recommander de là-bas? Je pense pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé. Ça, oui. Mais avec tous ces petits problèmes-là, j'avoue que bon... et en plus, c'est de la colle double face. Ouais. Je sais pas. Je pense pas que je vais recommander de là. Je préférerais essayer d'autres boutiques sur AliExpress. Bon, là, j'essaie de prendre le 7. Ouais. Et c'est ça, je voulais vous parler un petit peu de cet artiste. Parce que moi, je ne le connais pas non plus. Alors là, du coup, il faut que j'arrête de faire un petit peu de DP. Alors, Warwick Gobble, c'est son nom, comme je vous l'ai dit. Et alors, il est né le 22 novembre 1862. Et il est décédé le 22 janvier 1943. C'est un illustrateur britannique de livres pour enfants. Du coup, ces images, étant donné que ça fait plus de 70 ans qu'il est décédé, ces images tombent dans le domaine public. Parce que, ben, au total, ça fait 80 ans. Donc, c'est ça. Je vous mettrai tout à l'heure certaines de ces images qu'il a faites, que moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, il y en a deux autres que j'ai fait convertir. Et il y a les unboxings sur la chaîne. Alors, sur Wikipédia, c'était pas disponible en français. Donc, avec mon moteur de recherche, je sais pas, avec quelque chose, sur mon ordi, je suis capable de faire traduire des pages. C'est Edge. Je pense que c'est Microsoft Edge qui traduit, en fait. Je vais juste filmer que ça... Je vais juste vérifier que ça filme. Oui, ça filme. Alors, c'est un illustrateur britannique de livres pour enfants. Il a été éduqué et formé à la City of London School et à la Westminster School of Art. Il s'est spécialisé dans les contes de fées et les scènes exotiques du Japon, de l'Inde et de l'Arabie. Il a illustré The War of Worlds, de H.G. Wells, parmi ses premières illustrations publiées, bientôt suivie d'une suite pour The Book of... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Il a aussi fourni des illustrations pour des magazines, y compris Pearson's Magazine, illustrant un certain nombre de premières histoires de science-fiction, dont plusieurs de Frederick Merrick White. Et là, il y a toute une liste de livres qu'il a illustrés. Elle est quand même pas mal impressionnante. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, il a illustré 22 livres, qui est cool, je trouve. Et il a contribué à ses publications et à d'autres périodiques. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a des gazettes, il y a des magazines. Et c'est ça. Donc, la Bible, il y a la... Et c'est ça. Donc, ce qu'il y a sur Wikipédia, c'est assez court. Mais au moins, ça nous dit d'où il vient. Moi, c'est ce que je veux savoir, généralement, de quelle nationalité il est. Et c'est ça. Si ces images... font partie du domaine public. Et là, donc, si je vais sur Internet et que je marque Warwick Gobble, je vous mettrai à l'écran maintenant quelques images qui me plaisent. Et d'ailleurs, je pense que les deux images que je vais vous mettre, ce sont des images que j'ai fait en perso chez Home Fun au Facial Store il y a quelques temps de ça. Et elles sont immenses. Je crois qu'elles sont en 80 par 100. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont très jolies aussi. Je vous ferai un petit défilement là des images qu'il a réalisées. Mais vous allez voir, c'est particulier, mais c'est joli, moi, je trouve. C'est très joli, c'est très doux. C'est un style que j'aime bien. Franchement, c'est un style que j'aime bien. Bon, est-ce que je ferai que des images de ce style-là? Certainement pas, mais une fois de temps en temps,
pour soutenir les artistes qui ont fait des images, qui sont des images maintenant disponibles dans le domaine public. Oui, c'est définitivement quelque chose que je ferai de temps à autre. D'ailleurs, vous savez que j'ai quand même pas mal d'images du domaine public dans mon stock de DP. Pour ceux et celles qui suivent la chaîne depuis quelque temps, vous avez vu le unboxing et puis, ouais, j'en ai beaucoup. Ben, beaucoup. J'en ai pas mal. Donc voilà, avec un petit peu de chance, j'ai été capable de vous mettre quelques images à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir le style qu'il propose. Et si jamais vous aimez certaines de ces images, ben comme je vous l'ai dit, elles font partie du domaine public. Donc il faut juste que vous les cherchiez en haute résolution, pardon, sur Internet. Vous pouvez les récupérer et les envoyer à des compagnies, des sociétés de diamond painting pour qu'elles vous les convertissent en DP. Voilà. Et ensuite, ben peut-être qu'à la fin du vlog, on parlera de l'artiste, de l'image que je fais pour le DP télé. On fera ça, mais vers la fin du vlog. Mais je ne sais pas si le vlog va être très long cette semaine. Hein. J'aimerais, comme la dernière fois, vous mettre un unboxing d'un DP de DIY Moonshop, parce que comme je vous l'ai dit, ils vendent plus de DP. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de poster des unboxings séparés sur la chaîne. Je préfère incorporer un unboxing par vlog. Comme ça, on découvre la toile ensemble. On regarde les diamants vite fait. Ça va être des unboxings assez courts. Mais bon, mercredi avec la designer, ça devrait être rapide. Là, je veux dire, en une demi-heure, ça devrait être fait. C'est plutôt demain soir que, ouais, on va finir le boulot. On va aller se balader avec Luna. On va revenir, se reposer un petit peu, se préparer et repartir. Donc demain. C'est clair et net que j'aurai pas le temps, mais mercredi, je devrais avoir le temps de faire un espèce de petit unboxing avec vous. Et de continuer le vlog. Ah oui, parce que. Alors peut-être qu'on va attendre, parce que ce que j'allais faire, c'est que j'allais reprendre certains commentaires du dernier vlog où il y avait des questions ou des suggestions. Mais peut-être qu'on va attendre du coup à mercredi, comme ça va donner le temps aux gens de regarder le vlog. Et de poser les questions. Parce que, ouais, encore une fois, il y a des questions qui, je pense, pourraient être utiles. Ben, il y a des réponses qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'aimerais faire ça dans ce vlog. Je pense que je vais prendre l'habitude de le faire. Et là, je vous avoue que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé au niveau de ces journées nationales et internationales. Généralement, je sors ça quand j'ai un petit peu moins de contenu pour le vlog. Mais c'est vrai qu'on a arrêté pendant un bout là. Je ne vous en ai pas parlé. Mais moi, je pense que je vais vous laisser parce que de toute manière, je suis un petit peu fatiguée. Je voulais commencer le vlog ce soir pour me dire, ok, je le commence lundi, je ne le commence pas mercredi ou jeudi. Mais c'est ça. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de départs avec vous. Ce n'est pas grave. C'était juste pour vous montrer la qualité des symboles. Vous voyez qu'il y a des cercles autour, malheureusement. Bon, maintenant c'est bien lisible, hein. Je veux dire, les symboles ils se lisent bien. Il y a un problème avec le 5 et le S. Bon, maintenant je sais pas si vous êtes assez zoomé pour le voir, mais je crois que j'ai vu du 5 et du S à côté là. Le S est là, oui, voilà. Un bon exemple. Alors attendez, je vous zoome. Voilà. Alors je vais prendre des autres pinces. Les pinces de Marlène elles sont bien, mais elles sont un petit peu épaisses sur le bout. Donc je pense que ça sera mieux, ça c'est un petit peu plus précis. Vous voyez là il y a un 5 et là il y a un S. Voilà, c'est ça que je vous dis. Donc moi il faut que je fasse gaffe en fait, hein, entre ça et ça, parce que moi je trouve que ça se ressemble. Donc ouais, voilà, je voulais vous montrer ça. Peut-être qu'il faudrait que je prenne une photo aussi du coup pour la revue, pour montrer un exemple de ça, pour quand je vais faire la revue, parce que ben... Là, j'avoue que c'est un petit peu flou, hein. Mais ouais, je vais prendre une photo de ça. Comme ça, j'aurai ça en tant que référence pour la revue lorsque je vous la publierai sur la chaîne. Mais pour l'instant, je vous laisse. De manière que vous êtes très zoomé là. Je vous laisse et on va continuer le vlog. Certainement, pour moi, ça sera mercredi. Et peut-être qu'on pourrait procéder à un unboxing d'épée de DIY Moonshop. Donc, à tout de suite. On est jeudi le 6 juillet et comme je vous avais dit dans l'ancien vlog, je vais incorporer les unboxings de DIY Moonshop dans les vlogs tout simplement parce que
En ce moment, ils ne vendent pas de DP, ils vendent des Diamond Art Charts. Je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent. Et c'est ça, j'en ai pas mal. Je crois que je les ai comptés, j'en ai presque 15 des DP. Donc dans les 15 prochains vlogs, 12 à 15 prochains vlogs, vous allez voir un DP de DIY Moon Shop par vlog. Parce que moi, ben, je ne les ai jamais découverts. Vous voyez, c'est encore fermé là. Et j'aimerais les voir. Donc c'est pour ça que je vais en faire un. Un par vlog, comme ça, ça prend pas trop de temps et je vais passer vite. Donc ouais, je le rappelle que pour l'instant, ils ne vendent pas de DP en tant que tel sur le site, donc je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien. Et je sais pas s'ils vont vendre des DP, je ne sais pas du tout. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va enlever ça. Ça. Ça et ça. Voilà, nickel. Si vous entendez un bruit à l'arrière, c'est le lave-vaisselle. Alors, comment j'allume ? J'allume, j'ouvre ça. Ah, attendez. Ah, par là. Ah, et d'ailleurs, on a l'image là. Donc, voilà qu'est-ce qu'on regarde. C'est une image de l'artiste... Je crois qu'elle s'appelle Michelle Xia, si je ne me trompe pas. Je l'adore, celle-là, ça faisait longtemps que je la voulais. Et je l'ai finalement prise quand, je pense, ils avaient des soldes de 50%. On va voir une meilleure image tout à l'heure. Donc, c'est une 50 par 70 cm. Et celle-là, je l'ai prise en diamant rond. Et vous voyez, la boîte s'ouvre comme ça. Je pense garder la boîte parce qu'elle est quand même en bon état. Elle n'est pas si mal que ça. Est-ce que j'arrive à bien la refermer? Ouais, vous voyez, j'arrive bien à la refermer. Donc, je pense que je vais remettre l'ODP dans la boîte, en fait. Parce qu'elle se referme bien, elle n'est pas trop abîmée. Alors, le DP, je vous mettrai le site hein, de DIY Moon Shop en barre d'infos si vous voulez aller voir les patrons qu'ils vendent. Donc, je le rappelle, ben, les toiles, elles sont toutes douces. Hein. Si jamais les DP reviennent en stock, juste pour vous donner un petit rappel que ouais, les toiles sont toutes douces, elles sont tout finies sur les côtés. Vous voyez, c'est tout ondulé, il y a les petits points pour éviter qu'elles s'effilochent. Et on la regarde dans ce sens-là. Oh, elle va être belle, je pense. Oh, waouh. Je l'adore, cette image. Alors là, vous voyez des reflets. Je crois que je vais éteindre la lumière au plafond. Waouh, il y en a des diamants. Le toolkit, j'ai donc le plateau. J'ai beaucoup de cire entre la cire qui est là et là. Le stylet, il est juste là. J'ai un embout de 3. Je crois que ça, c'est un embout de 6. Non, peut-être de 8, ça. En bout de 8, j'ai même ça pour mettre autour du stylet et j'ai mes pinces. Donc, ouais. Tourquette complet pour ceux qui commencent à faire du DP. Et le DP. Alors, je pense qu'il va falloir que je dézoome. Alors, vous la voyez au complet, là. Ben, presque au complet. Ouais, voilà. Là, elle est un petit peu courbée. Vous voyez, c'est de la colle coulée. Donc, avec les DP en colle coulée, vous pouvez faire ça. Voilà, ça les aplatit plus rapidement. Mais elle n'est pas trop belle. La conversion est magnifique. Hein. Et l'image originale, elle est avec les diamants sur la feuille de route. Alors, elle est là. Mais là, il va falloir que je refasse la mise au point. Voilà. C'est une image de petite taille, mais bon, c'est pas grave. Moi, vous savez, j'imprime les fiches avec les images. Donc, j'imprimais, je crois, l'image sur une fiche. Mais je pense que c'est le layout que j'ai mis sur la fiche. Donc, voilà. Et elle est là. Elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, cette image. Je sais pas pourquoi. Elle me plaît énormément. Là, c'est vrai que ils auraient pu peut-être rogner l'image, vous voyez, pour ne pas avoir comme toute cette bande-là. Ils auraient pu la rogner vers ici, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça me dérange pas. Mais c'est juste un petit... une petite... comment on dit ça? un petit feedback, un petit commentaire. Et là, on a la jeune fille. Les dégradés vont être beaux, je pense, dans les cheveux. Même dans la peau, de ce que je peux voir là. Mais, ah oui, j'ai regardé une vidéo de Lisette un peu plus tôt. Et elle a fini un DP de DIY Moon Shop qui s'appelle... comment elle s'appelle? C'est une sirène de l'artiste Anna Detman. Je ne me rappelle plus de son nom. Et moi, je l'ai ce DP.
Et elle a eu un problème avec les couleurs dans la peau. C'est vrai que c'était pas très beau. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Lisette en barre d'infos. Elle habite en France, mais elle fait ses vidéos en anglais. Donc c'est une chaîne anglophone, mais française. Et c'est ça, j'en parlais beaucoup avant parce que ben, quand je l'ai découvert, j'étais à fond dans ses vidéos. Je les regardais toutes en fait. Et là, je me tiens à jour. Elle fait pas des vidéos très souvent, mais elle fait des check-in là, tous les mois. Et c'est ça, elle a fini un DP de cette compagnie-là. Et c'est vrai que dans la peau, c'était pas beau malheureusement. Mais là, je pense que ça va aller. En regardant comme ça, il n'y a rien qui me choque. Donc je pense que ça va aller. On a même sa petite boucle, ben petite, ouais, elle est grande, sa boucle d'oreille. Et voilà, au niveau de la partie inférieure de la toile. Je regarde l'image originale, mais franchement, elle a été bien convertie, hein. Elle est super belle. Ouais, j'ai vraiment hâte de la faire. Bon, maintenant, il faudrait que ça soit un thème sur les femmes ou les portraits, si jamais je veux la faire pour un événement. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Donc, comme d'hab, ben, on a l'image originale aussi qu'on retrouve juste là, tout en bas. Voilà. Elle s'appelle Sunny, celle-là. Vous voyez, Sunny version B. C'est bien ça, Michelle Xia. Je suis pas sûre si c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. 50 par 70, diamant rond. Et on a la légende, juste là. Alors attendez, je vais peut-être rallumer pour que ça soit mieux pour vous, en fait, pour que ça ne soit pas aussi sombre. Mais ouais, on a les symboles, comme d'hab, alphanumérique. Ça, c'est le type de symbole que je préfère. Je vous le montre quand même, comme je vous ai dit, juste au cas où que les DP reviennent en stock. On ne sait jamais. Ouais, tout est beau. On a 43 couleurs là-dedans. Hein. Ouais, ce sont que des chiffres et des lettres. Et souvent, je regarde pour le 5. Vous voyez, là, il y a le 5 et là, il y a le S. Ils les ont mis les uns à côté des autres. Mais ce qui est bien, c'est que le 5, il est sur fond rose et le S, il est sur fond bleu. Donc, ce sont deux fonds de couleurs bien différentes. Et ils ont mis en AB du 5200. Donc, vous voyez sur le haut. Vous avez la possibilité de mettre soit le 775, qui est, je pense que le 775, ça va être un bleu pâle. Ouais, c'est celui-là. Vous voyez? Donc, soit on met ça, soit on met du blanc AB. Je trouve ça bizarre quand même qu'ils n'ont pas donné le AB qui se correspond à la DMC originale. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Je suis curieuse de voir où est-ce qu'ils l'ont mis. Je veux juste regarder la qualité des symboles avec vous. Ouais, vous voyez comme c'est beau et bien imprimé. On n'a pas de cercle, comme d'hab. Oh ouais, tout est super bien imprimé. Là, je vois aucun problème. Là, on est dans sa boucle. Dans ses yeux. Oh ouais, vous voyez comme tout se lit très bien. Tout se lit très bien. Ils ont pensé à faire les symboles pâles sur des fonds foncés et foncés sur des fonds pâles. J'espère que ça a fait du sens ce que j'ai dit. Mais ouais. Et alors le AB, je suis curieuse de voir où est-ce qu'ils l'ont mis. Alors attendez, parce que le 775, c'est sur le symbole. Le haut. Où est-ce qu'il est le haut? Ah, il est là. En fait, il est dans. Bon, là, vous avez le reflet de la lumière au plafond. Mais il est. Excusez-moi. C'est qu'on vient de manger. Je filme entre 12h30 et 13h là. Et je viens de manger. J'ai mangé une salade avec un petit peu d'huile. Et de temps en temps, l'huile, ça me fait racler la gorge. Mais oui, je le vois là, là, tout autour. Donc, moi, je pense que je vais le faire en bleu. Parce que ça va être bizarre d'avoir ça en blanc avec du AB blanc autour. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Attendez, je regarde. Excusez-moi pour le bruit du coup du plastique. Je cherche le AB. Il est là. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'est drastique là. C'est très drastique. Donc moi, je ne pense pas que je vais utiliser le AB. Parce qu'à la base, ben, c'est ça qu'on doit mettre sur le haut. Il y a un diamant qui veut partir là. Et c'est ça, c'est autour des feuilles là. Autour de ça. Je vais bouger ça pour pas que vous voyez le reflet.
Et c'est ça, je le vois autour de ces trucs blancs là. Donc je comprends pas. Ça, j'avoue que j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'elle a, Luna? Elle se plaint, elle s'ennuie, je pense. Mais ouais, donc comme je vous ai dit, moi je pense que je vais utiliser la couleur originale et le 5200, je vais le mettre dans mon stock de diamants AB. Je veux dire, c'est pas grave là. Et ben, attendez, parce que j'allais dire le D là de ces feuilles là, c'est quoi comme. C'est du 3865. Donc moi je pourrais remplacer le 3865 par ça. Bon, pas tout, mais je pourrais parsemer ça dans les parties blanches aussi. Ça, c'est une autre idée, et mettre des strass dans ses yeux et dans sa boucle. Ouais. Donc voilà, voilà pour ce DP. On va. Vous savez quoi? Je suis curieuse de voir le panel de couleurs. Je vais mettre la toile dans l'autre sens et je vais juste poser les diamants en fait sur le. L'endos de la toile et comment c'est au niveau du confetti des blocs là-dedans. Ah, vous voyez dans la partie supérieure juste là. Alors attendez, je vais encore éteindre parce que ça va être beaucoup plus facile. Mais ouais, je vois que cette partie grise là, c'est un gros bloc. Et l'arrière-plan, c'est du confetti. Là, on retourne dans le confetti aussi. Ça, c'est mon Dieu, ça, c'est confetti. Oh, regardez ça. Regardez le changement entre le D et le W. Bon, maintenant on a des lignes avec le D, donc je vais pouvoir utiliser le multiplaceur. Mais ouais, c'est du confetti là. Confetti dans ses cheveux aussi, dans sa peau. Quelques blocs ici, mais pas beaucoup. Sa robe, on a quelques petits blocs, mais pas beaucoup. C'est principalement du confetti. Je le rappelle, un DIY Moon Shop. Les toiles sont. Ben, les images en fait, les diamond paintings sont générées par ordi. Donc, du coup, vous avez tendance à avoir plus de confetti que de blocs. Mais ça garde, je trouve, l'aspect naturel de l'image originale. Donc, ça ressemble plus à l'image originale que quand on a des rendus qui sont faits manuellement. Ben, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire le contraire. Mais moi, je trouve que les rendus digitaux comme ça ressemble plus à l'image originale. Et pour certains types d'images, je trouve que c'est mieux. Surtout pour celle-là. Celle-là en rendu manuel, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. Mais moi, je la trouve très belle. Quand est-ce que je vais la faire? Je ne sais pas. Mais je pense. Alors attendez, c'est quelle taille déjà? Ouais, 50 par 70. Techniquement, celle-là, je pourrais la faire en DP télé. Parce que comme je vous ai dit, DP télé, je veux que un des côtés soit de maximum 50 cm, pas plus grand. Parce qu'après, c'est trop difficile. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo cette semaine sur la chaîne au niveau de mon installation pour les DP télé. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Donc merci aux personnes qui ont laissé des commentaires. Et on dirait que y a beaucoup de monde qui a aimé la vidéo, qui est bien. Donc je suis contente de l'avoir faite parce que maintenant vous voyez comment je suis vraiment installée. Et c'est ça, cette toile, ben, je la travaillerai dans ce sens-là en fait, sur la tablette inclinée. Et certainement que je roulerai la partie qui n'est pas faite et la partie qui est faite. Alors voilà le panel de couleurs, il est magnifique, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! On a des roses, des violets. Ce sont des violets comme très, très doux entre ces deux-là. Parce que ça, c'est un espèce de beige violacé. On en a là, on a le 550. On a beaucoup de bleu. Mais en même temps, dans l'image originale, ben, il y a toute cette partie-là qui est bleue. Et là, ça ne m'étonnerait pas aussi que pour les dégradés, il y a un petit peu de bleu. Donc, ouais, vous en voyez beaucoup, beaucoup. Du rose, un petit peu de orange. Ouais, c'est une belle palette de couleurs. Hein. Je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur ce DP. Il est beau ce bleu, le 3848. Mes couleurs principales, c'est celui-là, 3865. Avec celui-là, 3770. Ce sont les deux couleurs principales du DP. Donc, ils mettent les DMC et les pois. Ce sont les sacs.
Voilà, voilà pour ce DP. Comme ça, vous pouvez vous... Enfin, comme ça, ben, vous voyez tout, juste au cas où qu'il remettrait les DP en stock. Parce que moi, quand je vais commencer ce DP, je vais vous référer à cette vidéo, à ce vlog-là pour le unboxing. Et généralement, en barre d'infos, quand je vous incorpore des unboxings dans les vlogs, je vous mets le temps auquel passer dans la vidéo pour voir le unboxing. Donc, c'est ça que je dis. Quand je serai prête à la faire, cette toile, je vais vous référer à ce vlog et au temps, du coup, dans la vidéo auquel vous pouvez voir cette toile. Et si jamais la toile redevient disponible, ben, au moins, vous avez le lien du DP et le lien du unboxing pour voir, ben, pour voir le DP à la réception et sans diamant, quoi. Donc, voilà, voilà ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et moi, j'avais pensé faire un petit peu de DP avec vous. Donc, reprendre un petit peu les questions et les réponses dans le dernier vlog. Parce qu'il y a eu quelques questions que je me suis dit, ça serait cool de vous partager les réponses. Je pense vous l'avoir dit précédemment dans le vlog. Donc, on va faire ça. Et il y avait quelque chose d'autre. Ah oui! Et vous parlez un petit peu des séries que j'ai regardées et la série que je regarde. En ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je suis à fond dans les séries sur Netflix qui sont d'origine espagnole. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc, j'en ai regardé une que j'ai finie. Et là, je suis sur une autre série. Donc, je vous parlerai de ça. Donc, on fera, c'est ça, les réponses aux commentaires. Et je vous parlerai des séries que je regarde. Et le livre, je suis tout le temps sur le même. Là, je suis sur Bridgerton. Mais je vous avais dit, il y a quelques semaines de ça, que j'étais à 25% du livre. Non, j'étais à 20% parce que là, en ce moment, je suis à 25% du livre. Je l'avance pas beaucoup. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, je suis trop fatiguée pour lire le soir. Donc, du coup, je ne lis pas. Je fais du DP et ensuite, bah, c'est dodo, mais hier j'ai lu un petit peu, pas beaucoup, mais ouais, je l'avance petit à petit, le livre Bridgerton, donc je suis encore sur le tome 1, tome 1, et j'aimerais lire le tome 2 aussi, et ensuite je passerai à quelque chose d'autre. Mais voilà, alors pour l'instant, moi je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je retourne travailler dans une dizaine de minutes, j'ai le temps là, mais je veux quand même ranger ça, donc ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais remettre vraiment le DP dans la boîte originale et je vais remettre les diamants là-dedans, les uns après les autres. Comme ça, c'est tout rangé. Je ne vais pas forcément les mettre dans l'ordre DMC, ça, c'est pas grave. Et je vais remettre la fiche... Ouais, généralement, je mets la fiche avec les diamants, comme ça. Et tout va retourner ensemble. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour faire un petit peu de DP. Alors, je me suis dit qu'on pourrait travailler sur un sous-vert, parce qu'on a travaillé sur le DP projet principal en début de vlog. Donc, on va faire ça. Et les diamants, ils sont là. J'avais organisé les diamants avec vous dans le dernier vlog, il me semble, le vlog de la semaine dernière. Alors, où est-ce que j'en suis? Parce que là, vous n'avez pas vu les avancées. Donc, j'en ai terminé plusieurs, mais je pense pas les terminer cette semaine. Bien que bon, je compte en faire un ce soir, je vais en faire un demain soir normalement, et un samedi et un dimanche. Donc je vais peut-être les je vais les terminer la semaine prochaine, ça c'est garanti. Donc ça, je rappelle que c'est de Diamond Art Gift. Est-ce que c'est Diamond Art Gift? Je pense que oui, hein. Oui, c'est bien ça. J'ai dû regarder sur ma fiche. Donc c'est bien cette société-là. Et ceux-là, je les avais reçus en août de l'année dernière. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing de ces produits. Et j'en ai terminé 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous les montre parce que je ne sais pas si on va les re-regarder en fin de vlog. Tout dépendamment si j'arrive à terminer un sous-vert ce soir. Donc, il y a celui-là qui est terminé. Celui-là, je vais juste pousser ça. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, vous voyez, ça et ça, c'est les mêmes couleurs, en fait. Hein. Vert, bleu, jaune et transparent. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Il va y en avoir comme deux à chaque fois avec le même type de couleur. Vous voyez, comme ça et ça. Là, vous voyez le reflet de la lampe. Hein. Attendez, je vais l'enlever. Voilà. Donc, ouais, je pense que ça et ça, ça va être similaire. Mais franchement, ils sont trop beaux. Hein. Et c'est cool à faire.
Ensuite, celui-là. Celui-là, je ne sais pas si j'en ai un dans cette couleur. Je pense que ça et ça, ça va être pareil. Pas mal semblable au niveau des couleurs. Ça et ça, c'est similaire. Ces deux-là. J'essaie de les... Ouais, je vais essayer de les... Vous voyez, ça et ça, c'est le même type de couleur. Ensuite, là, c'est difficile à dire. Peut-être... Je pense que ça et ça, ça va être similaire. Et ensuite, il en reste 5. Ouais, il en reste encore 5. On va voir. On va voir, mais ouais, j'ai l'impression que, bon, les couleurs, on retrouve souvent les mêmes couleurs. Mais je trouve qu'il y a toujours une couleur principale. Comme là, il y a plus de jaune là-dedans. Par rapport à cela, par exemple. Mais ouais, ils sont beaux. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais en faire un différent. Donc, je vais remettre ça dans le support. Donc, le support, je le rappelle, il était donné. Donc, quand j'ai reçu le produit, c'est venu dans le support. J'arrive pas à les... Il faut que je les glisse. Et après, à la fin, vous allez voir, on va mettre la partie à l'arrière qui est collante. Mais on va le faire... On va le faire la semaine prochaine ensemble. Ok, donc je vais remettre ça là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je crois que je vais faire celui-là. J'ai envie de faire celui-là, de voir ce que ça va donner. Ouais. Alors, ceux-là, du coup, je vais les ranger là-dedans. Comme ça, c'est tout ensemble. Et on va travailler sur celui-là ce soir. Voilà. Alors, je vais allumer la lumière parce que sinon, c'est trop sombre pour moi. Donc, vous risquez de voir un petit reflet sur le côté. Ouh là là, j'ai faim. Il est même pas 18h et j'ai déjà très faim. J'ai pas goûté. On va commander une pizza ce soir. Ça fait longtemps que j'ai envie de commander une pizza. Parce que bon, vous savez, les pizzas surgelées, c'est pas la même chose hein, que les pizzas qu'on commande. Et c'est ça. Mon mari m'a dit « Ok ». Et en plus, c'est bien parce qu'elles sont assez grandes. On peut manger ça sur 2 jours en fait. Alors stylet, je vais juste utiliser le même stylet que j'avais en début de vidéo. C'est plus simple, il est à côté. Et on va commencer avec le 1 qui est le strass transparent. Voilà, donc je rappelle que ce système là, le lien est en barre d'infos. Il me semble vous l'avoir en début de vidéo que maintenant je vais vous mettre... je sais plus comment j'ai appelé ça, mais je pense que j'ai appelé ça quelque chose comme les produits que j'utilise en DP. Donc regardez, vous allez avoir le lien de ces boîtes, c'est sur Amazon.com, pardon. Amazon.com. Donc ouais, ces temps-ci au boulot, c'est occupé. Hein. Oh là là, parce que là j'essaie de terminer et de transférer tout le travail à mes collègues avant de partir, parce que demain c'est mon dernier jour. Dans le travail que j'occupe en ce moment, je change la semaine prochaine, lundi, si tout va bien, parce que apparemment toute la paperasse n'a pas été finie. Donc, mais ouais, normalement c'est ça. Je commence lundi prochain dans mon nouveau poste. Donc j'ai hâte. J'appréhende un peu parce que c'est complètement nouveau. Là, je vais travailler avec les, enfin. En rapport avec des instruments médicaux, qui n'est pas du tout pareil que l'alimentaire, parce que moi, à la base, mes études, c'était en alimentaire. Mais ça sera un bon challenge, en fait. Un bon changement. Et puis, dans le pire des cas, si je n'aime pas ça, je peux toujours retourner dans mon poste actuel. Hein, parce que c'est ce qu'ils appellent en anglais... en anglais, ils appellent ça un assignment. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est ça en français. Parce que moi, vous le savez, je travaille en anglais. Hein. Tout mon boulot se fait en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est assignment en français? Une affectation? Est-ce que ça se pourrait que ça soit ça? Assignment. Voyons voir. Ça, c'est de l'anglais. Ouais, affectation, ils disent. Sur le site là que je regarde. Donc c'est ça qui est bien avec les affectations, c'est que si jamais
ça nous plaît pas, ben on peut retourner dans notre poste pardon de base. Donc on va voir. Bon, je vais pas y aller déjà avec avec un avis négatif. Non, je vais y aller positive, mais je me dis que dans le pire des cas, si c'est pas mon truc, je peux toujours retourner dans mon poste, dans le poste que j'occupe là en ce moment. Donc ouais, je commence lundi. Et c'est ça que je vous disais dans un vlog, je pense. Je sais pas comment ça va affecter les vidéos. Je pense pas que ça va affecter. Parce que bon, je veux dire, j'espère garder l'horaire que j'ai en ce moment. C'est-à-dire, je fais du 7 à 3. Ça, j'en ai pas parlé avec ma future gestionnaire. Donc, j'espère qu'elle sera OK avec ça. Parce que ben, nous, ça nous permet du coup d'avoir l'après-midi pour faire des choses. Hein, qui est bien. Donc, ouais, ça, c'est les nouvelles au niveau du boulot. Et sinon, hier soir, on a regardé deux épisodes de Designated Survivor. J'ai avancé sur le DP télé, mais mon Dieu. Vous allez voir, je ne l'ai pas tant avancé que ça. Hein. J'ai fait deux sections supplémentaires. Tout simplement parce qu'il y a énormément de confettis sur la toile. Ça me prend énormément de temps pour terminer une section. Mais bon, regardez, moi, je prends du plaisir à travailler dessus. Hein, et la conversion est très jolie. Mais ouais, ça va être plus long que ce que je pensais. Mais c'est pas grave ça. Parce que là, on est le combien? Ah, on est le 6. L'événement a tout juste commencé. Parce que c'est ça, c'est une toile qui rentre dans l'événement pour les images qui tombent dans le domaine public. Et bon, je vais pas stresser. Hein, mon Dieu, on a encore presque 2 mois. Et ensuite, on va tomber sur l'événement de Kémy et de Laetitia. D'ailleurs... j'ai libéré un système de rangement pour les diamants. Donc peut-être que bientôt il va falloir que je fasse le unboxing du DP que je vais faire pour leur événement. Parce que Laetitia c'est Cara Art, Kémy c'est Créature Fantastique. J'ai trouvé une Cara Art qui contient une créature fantastique. Donc du coup je pourrais participer aux deux événements avec un DP télé. Ça va être un DP télé. Et je filmerai le unboxing, organisation de diamants et préparation de toiles dans une seule et même vidéo. Comme ça, j'ai pas besoin de faire 2 vidéos. Et je vous posterai ça sur la chaîne. Bah alors attendez, parce que là on est le 6. Bon, j'ai le temps, hein, donc peut-être que je filmerai ça dans 2-3 semaines. Parce que ouais, franchement, il n'y a pas de presse. Je mettrai certainement ça la semaine du 28 août. Donc ça, c'est dans, mon Dieu, 8 semaines peut-être. Mais ouais, j'ai choisi le DP. Ça va être un DP de télé. Et je ne pense pas avoir de DP projet principal dans aucun de ces deux thèmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un DP de télé. Et je suis sûre que je vais avoir fini mes 2 DP que j'ai en ce moment-là. Vous avez vu les 2 DP que j'organise... Les DP pour lesquels j'ai organisé les diamants, les 2 DP télé. Donc ouais. Et là, ben, la toile projet principal, j'ai pas encore terminé ma deuxième ligne. Parce que hier, je vous l'ai dit, on a regardé la télé, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler sur mon DP projet principal. Je n'ai pas travaillé sur des sous-verts, je n'ai pas fait de colo. Le colo, il a presque pas avancé, j'ai pas eu le temps. Parce que je fais pas mal de temps supplémentaire au boulot pour terminer des choses. Et du coup, ben, je me connecte à l'ordinateur de bureau tôt, à 6h30. Donc même le DP matin, il n'a pas tant avancé que ça. Et coloriage, et ça non plus. Ben ça, ouais, je l'avance. J'ai quand même avancé mes sous-verts, mais ouais. Alors, je voulais juste regarder les commentaires sur le dernier vlog. Alors attendez, je vais le reprendre. Le dernier vlog. Alors, les petites questions. Où sont les questions? Je les cherche. Parce que j'en avais quelques-unes, il me semble. Alors, attendez. Alors, ça, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire que je me suis dit, la personne a raison. Alors c'est Raph1978 qui a dit, coucou, moi aussi j'ai fait un ensemble de 12 dessous de verre et ils sont
agréable à faire et magnifique. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Pour ta spectatrice qui dit que tu te fais rare, parce que vous vous rappelez dans un des commentaires que j'avais reçu, il y a quelqu'un qui me disait que je me faisais rare, mais en fait non. Je disais que je poste autant de vidéos qu'avant. C'est juste que de temps en temps, ben, au lieu que c'était un lundi, c'était un mardi. C'est arrivé la semaine dernière, je pense. Parce que bon, j'avais pas eu le temps de monter la vidéo. Mais généralement, je vous mets 3 vidéos par semaine, plus le vlog, plus la vidéo le dimanche. Donc c'est beaucoup de vidéos. Mais c'est ça, la personne dit, c'est peut-être qu'elle ne reçoit pas toutes les notifications de nouveautés comme moi. Donc pour ceux qui pensent qu'il manque des vidéos, vérifiez vos notifications parce qu'apparemment peut-être qu'il y aurait un problème. Peut-être, je sais pas. Parce que cette personne a dit comme moi. Donc vérifiez que vos notifications, elles sont bien valides, actuelles. Et pour être sûr de ne pas manquer des vidéos en fait. Si vous demandez, ah, mais il manque des vidéos, il n'y en a pas autant qu'avant, ben c'est peut-être un problème dans les souscriptions. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je crois que c'est ça. Donc ouais. Et ensuite elle a dit, pendant que j'écoutais ton vlog, je faisais une toile de renard vert en diamants spéciaux. Superbe. Donc merci Raph1978 pour le commentaire, parce que moi j'avais même pas pensé à ça en fait. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé dans le passé quand je suivais des chaînes et je me suis dit, ben là j'ai... Elle a pas posté de vidéo depuis une semaine, mais en fait quand j'allais sur la chaîne en tant que telle, je voyais que oui, il y avait des vidéos et que j'avais pas été notifiée. Alors ensuite, ah oui, ton Coligno Marilyn 7804, ça encore je pense que c'est les chiffres qui restent, mais ça c'est pas du tout grave. Mais ça, c'est pas grave. Alors, elle dit, coucou Lorraine, merci pour ton vlog. Serait-il possible que tu donnes les prix de tes projets étoiles quand tu fais des vlogs ou unboxing au début? Tu le disais et j'aimais bien savoir. Alors, oui, merci Marilyn, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu de retour sur ça, sur les prix d'étoiles. Ça ne me dérange pas, mais il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. Donc, maintenant, pour les unboxing, j'essaie de penser à vous donner les prix ou à les mettre à l'écran. Ah, je crois qu'il me faut de la cire. Les mettre à l'écran, comme ça, vous le savez. Mais très souvent, moi, j'achète les toiles quand elles sont en solde. Ou les DP quand ils sont en solde. Et de temps en temps, j'ai pas forcément le prix original. Donc, je vais essayer d'y penser, de vous le donner. En vlog, c'est vrai que je le donne jamais, mais je vais essayer d'y penser. Si j'ai le prix sur ma feuille, comme là, vous voyez les dessous de verre, ils étaient au prix de 17,99$. Ça, c'est dollars. Je crois que c'est dollars U. Non, ça m'étonnerait que ce soit des dollars US. Je pense que c'est dollars canadiens. Ouais. Ensuite. Alors, attendez. Je regarde. Oui, donc il y en a une de Marie-France Laurando 973 qui dit « Salut Lorraine, c'est un vlog très intéressant avec ce unboxing qui me plaît beaucoup car j'aime beaucoup les tons de bleu magnifiques. Merci pour cette vidéo, de rien. J'aimerais savoir ce que tu utilises pour fixer les diamants. » Alors, pour fixer les diamants, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne où j'en collais des toiles. J'utilise un produit qui s'appelle le Mod Podge, M-O-D, et plus loin c'est P-O-D-G-E, Mod Podge. Je ne sais pas s'il y en a en France, mais au Canada on en trouve de partout. Il y en a au Walmart, il y en a au Dollarama, il y en a sur Amazon, je crois même qu'il y en a à Canadian Tire, il y en a de partout. Mais ce que je fais, c'est que je le dilue un petit peu dans de l'eau. Je ne l'utilise pas pur parce que c'est quand même assez épais. Mais ouais, je le dilue de moitié dans de l'eau. Et ensuite, avec une petite brosse, je le mets sur les diamants, en fait. Je pourrais mettre le lien d'une vidéo juste là. Voilà. C'est une vieille vidéo, mais en même temps, j'ai rien changé là. Je fais la même chose quand j'ai besoin d'en coller les DP. Mais c'est quelque chose qui est rare quand même. Je le fais pas souvent. Et bon, je vais finir de lire le commentaire. Elle dit, c'est le temps des fraises. J'espère que tu en profites, c'est tellement bon. Moi, c'est mon fruit préféré. Bye bye. Donc, merci Marie-France.
Ensuite. Ouh là là, oui, ça c'était rigolo comme commentaire. Ça c'est de Jessica Lemire qui dit: coucou Lorraine, merci pour ce vlog. Pas d'événement en 2024, mais je te propose de relever un défi. Finir toutes les toiles que tu as en cours avant de commencer un nouveau projet. Penses-tu en être capable? Ma réponse c'est non. Parce que moi j'aime bien changer, j'aime bien avoir des rotations entre petit, moyen, grand, diamant carré et diamant rond. Mais bon, c'est gentil d'avoir pensé à ça, hein, de me donner un défi. Mais non, je pense pas, Jessica. Et ensuite elle met des bonhommes morts de rire. En un an, si tu t'y tiens, tu seras sûrement à jour pour 2025. Pétard, c'est clair. Hein. C'est clair. Mais non, regarde, elles vont être en cours le temps qu'elles vont être en cours. Bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais ouais. Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors oui, Charlie Colo, j'en avais parlé, c'est la personne qui avait recommandé de filmer l'installation pour les DPTV. Donc ça, je vous l'ai mis cette semaine sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran vers la vidéo, juste là, pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'auraient pas vu et qui souhaitent voir comment je travaille sur les DPTV. Donc oui, la personne m'avait laissé un commentaire en disant: coucou, merci pour ce vlog. Je reviens sur la question d'une de tes abonnées pour les DP télé. Je suis d'accord avec elle. On ne sait pas réellement quel matériel tu utilises et comment tu t'installes. Personnellement, j'ai du mal à me le représenter avec un bonhomme mort de rire. Tu parles très souvent de tes DP télé, de tes toiles de DP télé, mais pas de ton installation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est très clair. Bref, bon week-end, bisous. Merci beaucoup. C'est très clair parce que c'est pour ça que j'ai filmé la vidéo. Donc merci pour la suggestion parce que c'est toi qui m'as donné l'idée de: ok, on filme la vidéo, comme ça c'est fait, il y aura une vidéo sur la chaîne. Et d'ailleurs j'ai vu que j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, donc je pense que cette vidéo elle a été utile. Il y a aussi Laurette Jamin. Oui, Jamin, excusez-moi, c'est que j'arrive pas à lire là avec les lentilles. Je crois qu'il y a un œil qui a encore changé. Changer de vue. Donc elle demande: dis-moi Lorraine, es-tu contente de tes crayons de couleur brut funère? Oui, en général oui. Surtout pour le prix, hein. Je veux dire, mon Dieu, j'ai eu. C'est combien? Il y en a 500 dans le kit? Je sais plus combien j'avais de crayons dans ce système-là. Mais pour les coloriages mystères, franchement, ça me va. Bon, maintenant, c'est coloriage mystère. J'ai pas encore fait de colo-colo avec, c'est-à-dire pas des colos mystères, mais pour l'instant ça va. C'est pas de la super haute qualité, mais franchement, j'aime avoir toutes les couleurs. Parce qu'avec les colos mystères, de temps en temps, ça peut être un challenge de trouver les couleurs avec des feutres. Et là, j'avoue qu'avec les crayons, il n'y a aucun souci, je trouve tout. Donc, ouais, ça me plaît. Alors ensuite, on va continuer. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Peut-être pas. Non. Et ensuite, il y avait les commentaires et les emojis. Donc oui. Merci à tout le monde d'avoir laissé un commentaire sur le dernier vlog. Merci beaucoup. J'apprécie. Je mets toujours le petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. Et comme je vous l'ai dit, quand vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, j'en serai très contente. Et c'est ce que je fais. Généralement, quand il y a des questions, j'essaie de répondre. J'essaie d'y répondre, en fait. Et si je peux pas, ben, je vous réfère à une compagnie ou à un site. Ouais. Et ensuite, c'est ça, je voulais vous parler de séries. Alors, je vous disais qu'en ce moment, je suis sur les séries Netflix espagnoles. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est beaucoup de drames en fait. Peut-être que c'est parce que ça me rappelle mon enfance. Parce que j'avoue que quand j'étais plus jeune, ado, je crois qu'il y avait deux séries que je regardais espagnoles. Comment ça s'appelait? Pour ceux qui s'en rappellent là, il y avait quoi dans les années? Est-ce que c'était les années 2000?
ou 90, je sais plus. Il y avait une série espagnole qui passait sur... c'était TF1 ou c'était quoi déjà? C'était une série de danse. Si vous vous rappelez du nom, si vous voulez le mettre dans la section des commentaires. Ah, Undo Stress, ça s'appelait, je pense. Undo Stress. Et on regardait ça avec mes soeurs, on capotait. On adorait ça. Et est-ce qu'il y avait une autre série? Il me semble qu'il y avait une autre série espagnole aussi qu'on regardait, mais je ne sais plus laquelle. Mais ouais. Et là, c'est ça. Sur Netflix, il y en a quelques-unes. Mais la première que j'ai regardée. D'ailleurs, il va falloir que je retrouve le nom. Il va falloir que je vous pose là pour quelques petites secondes. Le temps de retrouver le nom de la série. Parce que je ne m'en rappelle plus. Mais alors, c'était très olé olé. Hein. C'était wow. Il y avait beaucoup de... C'était très graphique. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le nom. Alors, j'ai retrouvé là. Il fallait que je regarde sur Internet comment... comment trouver sur Netflix ce qu'on a regardé en fait dans le passé. Il y a une manière. Mais ouais, il a fallu que je regarde... comment accéder à ce que j'ai visionné en fait. Alors, la première que j'ai regardée, et je crois vous avoir dit une bêtise, je pense pas que c'est italien, je pense que c'est... Alors attendez. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sais pas si c'est italien. Italien. Espagnol, mon Dieu, mais qu'est-ce que je raconte? Donc ouais, fake profile, mais comme je vous ai dit, c'est très olé olé. Pour ceux qui aiment ça, moi je m'attendais pas trop à ça, mais bon, regardez, enfin, je l'ai regardé au complet, en faisant du diamond painting, et je sais pas si c'est disponible sur Netflix France ou les autres Netflix, je sais pas, mais c'est ça, ça s'appelle fake profile, donc pour faux profil, voilà, parce que là j'ai fait traduire une page. C'est pas sur Wikipédia. Il n'y a rien sur Wikipédia à propos de cette série. Donc il dit, ouais, il le classe en tant que drame, romance, thriller. Donc, ça dit Camela crée un profil sexy sur l'application de rencontre en ligne Spice à la recherche de l'homme de ses rêves. Mais ses rêves se transforment rapidement en cauchemar et Camela finit par tomber dans un réseau de sexe, de mensonges et de tromperies. Donc, bon, le petit résumé là, il est assez assez compact, mais ouais, c'est ça, c'est cette femme qui rencontre un monsieur à travers une application de rencontre, et il y a toute une histoire, mais je veux pas trop en dire pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient peut-être regarder cette série, donc ouais, je veux pas trop en dire non plus. Et il y a toute une histoire qui se passe autour de ça. Elle travaille à Las Vegas en tant que... Bon, je crois que c'est stripteaseuse, ouais. C'est pas très clair ce qu'elle fait là. Elle est danseuse. Et c'est ça, elle rencontre ce gars. Il y a quelque chose qui se passe. Et de là, ça découle toute une histoire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, j'ai bien aimé. C'était très léger, hein, mon Dieu. Pour ceux qui aiment les trucs légers... les petits thrillers qui se regardent bien, là, sans prise de tête, ben, franchement, moi, j'ai aimé. Bon, je ne l'ai pas écouté dans la langue originale, parce que moi, l'espagnol, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas parlé. Je l'ai regardé en anglais. Et ouais, c'était, comme je vous ai dit là, c'était léger. Il n'y avait pas de prise de tête. J'ai bien aimé ça. Et du coup, après, je me suis dit, ben, on va enchaîner sur des séries espagnoles, bien que, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est espagnol. Fake profile. Je pense pas que ça l'est, hein, mais je sais. Ça dit pas d'où ça vient. Hein. Ah, ils disent que c'est colombien. Ok, voilà, donc c'est colombien. C'est ça que c'est. Et ensuite, alors la deuxième série que je suis en train de regarder, elle s'appelle The Surrogacy. Alors, surrogacy, c'est quand on est mère porteuse. Mais là, j'aimerais regarder sur internet si. Il y a quelque chose au niveau d'un résumé ou quoi. Mais je ne sais pas si je vais trouver. Et non, parce que principalement, des liens vers Netflix que je regarde, mais c'est pas sur Wikipédia. Ouais, c'est pas sur Wikipédia. Mais si je vais sur le site IMDB, là, il va y avoir un petit...
un petit texte qui va vous dire à propos de quoi c'est. Et généralement, c'est ça que je lis parce que moi, j'aime pas faire des, comment on dit ça, des résumés. J'ai jamais aimé faire ça. Je suis pas très bonne à faire des résumés. Alors, ça dit, une femme loue son ventre. Donc bon, elle est mère porteuse, c'est ça que ça veut dire, à une puissante famille d'hommes d'affaires mexicains pour sauver la vie de son père. Après son accouchement, elle se réveille dans un hôpital où on lui donne un bébé né avec un handicap physique. Des années plus tard, sa vie la confrontera à nouveau à ce moment pour découvrir la vérité. Donc voilà, c'est l'histoire de cette mère, ben je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, mère porteuse, et de son implication avec cette famille d'hommes d'affaires mexicains riches là. Donc c'est beaucoup de drames, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de drames. Moi j'aime bien, encore une fois c'est léger, mais il y a beaucoup d'acteurs dans cette série. Et pour essayer de suivre ce qu'il se passe, j'avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal. Bon, maintenant, ça va, je suis au niveau de l'épisode... Je sais plus où j'en suis, là, mais j'en suis... Si je retourne dans mon historique... J'en suis à l'épisode 15. Voilà. L'épisode 15, et je crois qu'il y en a plus de 20. Donc, j'en ai encore à regarder. D'ailleurs, ça se pourrait que je fasse ça ce soir. Si je ne travaille pas sur le DP de télé. Et que je la continue parce que j'aime bien. Et ensuite, peut-être que je passerai à autre chose. Je sais pas. On va voir. On va voir ce qui me tentera de regarder. Mais c'est vrai qu'en fin de soirée, j'aime bien regarder les séries Netflix. Mais ouais. Voilà mes séries du moment, ou ma série du moment, je devrais dire, parce qu'il n'y en a qu'une. Généralement, je ne regarde pas plus d'une série à la fois. Et ouais. J'ai commandé la pizza, donc ça se pourrait que Luna aboie quand ils arrivent. Bien qu'ils, bon, ils ont dit qu'ils n'allaient pas arriver avant 19h, mais ça m'étonnerait parce qu'ils sont toujours bien à l'avance. Donc ouais, je pense qu'on va... On va manger bientôt. Je pense qu'ils vont bientôt arriver d'ici 10 minutes. Ça m'étonnerait pas. Mais ouais. Voilà de quoi je voulais vous parler ce soir. Parce que bon, sinon, j'ai pas vraiment de nouvelles à vous donner. J'ai craqué sur une autre image. C'est une de mes images. Je l'ai achetée sur AliExpress d'un vendeur qui vend des pains au col coulé. Donc on va voir ce que ça donne. Ça sera des unboxings pour le lundi. Les DP que j'achète. Généralement le lundi je vous mets les DP que j'achète. Et ensuite ben souvent le vendredi c'est des sneak peeks de Diamond Art Club. Et le jeudi de temps en temps de Cara Art. Mais ouais, le lundi ce sont des DP que j'achète. Et le vendredi c'est des DP que je reçois de ces compagnies. Les produits à plus petit budget. D'ailleurs, mon portfolio de Art Dot dans lequel je mets mes DP non faits, il est plein. Il est plein à craquer. Donc là, j'utilise mon deuxième portfolio de chez Art Dot, mais la taille A1. Et maintenant, je les mets là-dedans. D'ailleurs, j'essaye encore de trouver des feuilles hein, A1 qui rentreraient dans ce portfolio. Mais les tailles A1, A2, A3, tout ça là, ici, c'est pas très populaire. Donc... J'ai rien trouvé pour l'instant. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que dans ce portfolio-là, je pourrais pas mettre de fiches. Hein. Je sais pas encore. Je sais pas du tout. On va voir. Mais ouais, l'autre, il est plein. Et je crois qu'il y a des portfolios dans lesquels je mets mes DP finis. Qui sont presque pleins. Il va falloir que j'en rachète pour... Continuer à mettre mes DP en portfolio. Les DP de petite taille. Hein. Parce que ouais, ils sont presque pleins. Mais bon. Ça fait depuis 2018 que je fais du DP. Fin 2018, début 2019. Donc ouais, les portfolios, ils sont pleins là. Parce que j'en ai fait des DP. Alors ensuite, symbole 2. Ben vous savez quoi, je crois que je vais vous laisser. Je sais pas si le vlog de cette semaine a été très long. Mais ouais.
Je crois que je vais vous laisser. Et de toute manière, le vendredi, généralement, c'est là où je vous filme les avancées de la semaine en termes des projets. Donc, peut-être que si j'arrive à terminer ça ce soir, je devrais y arriver. Sauf si, comme je vous l'ai dit, je passe au DP télé. Mais je vous le montrerai terminé à la fin du vlog s'il l'est. Et vous allez voir du coup les 4 DP sur lesquels j'ai avancé depuis le dernier vlog. Il y a le DP matin, DP télé, DP mystère et DP projet principal. Je crois qu'il va y avoir toujours 4 DP. Donc c'est ça, je pense que je vais vous laisser maintenant. Et vous allez voir maintenant du coup les avancées de la semaine. A tout de suite. On est vendredi et je vais vous montrer l'avancée au niveau des différents projets. Vous avez vu, j'ai mis un dessous de verre. C'est celui sur lequel on a travaillé hier soir. Voilà ce qu'il donne une fois fini. Il est très beau et je pense que vous voyez que ça brille bien. Hein. Ouais, ça brille super bien. Donc ouais, je suis super contente avec le rendu final. Il est trop beau et la semaine prochaine, on continuera à travailler sur ça. J'aimerais en faire un demain. Ben, j'aimerais en faire un ce soir, un samedi et un dimanche. Donc normalement, je devrais les avoir tous finis d'ici la fin de la semaine prochaine, si tout va bien. Ensuite, au niveau du colo. Pour ceux qui ne veulent pas voir les colos mystères, ben, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je le montre. Donc je le rappelle, je suis dans le tome 7. Je vais vous montrer le coloriage que je suis en train de faire, qui est toujours le même. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, hein, pour être honnête. Regardez. Il n'est pas beaucoup avancé. Je pense que j'ai rajouté peut-être la couleur là. J'en suis à la couleur quoi, la couleur 6. Ah, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait la partie plus foncée juste là. Avec ça, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai pas beaucoup avancé depuis la semaine dernière. J'ai pas vraiment eu le temps de faire de coloriage cette semaine-là. Avec, comme je vous ai dit, avec le boulot, je finis tard le soir et tout là. Donc, je suis assez fatiguée et j'ai juste envie de me poser, de faire du DP. Mais ouais, j'espère l'avancer ce week-end, celui-là. Bien qu'on a des plans, ce week-end, on va sortir. Mais ouais, je vais le continuer. Donc voilà pour le colon mystère. Là, on arrive au DP. Alors, les DP, je vais juste mettre le colon mystère de côté. Alors, on va commencer avec le DP télé. Vous allez voir, j'ai fait 2 sections supplémentaires, je pense, par rapport au dernier vlog. Donc, le voilà. Ça, je leur rappelle que c'est un DP de chez Godfell. C'est une image que je leur avais envoyée pour la faire en perso. Ils m'avaient proposé un partenariat et puis je leur avais demandé si je pouvais faire un perso. Ils m'avaient dit oui, donc j'avais envoyé une image, il me semble. Et ça, c'est une image de Walter Hood Fitch. Donc, c'est une image du domaine public. Et bien que ça dit 30 par 45 là au niveau de la taille, la vraie taille de l'image, c'est du 24,8 par 39,6, pardon. Donc elle est assez petite, mais c'est ça que je vous disais un peu plus tôt dans le vlog, il y a beaucoup de confettis, donc ça me prend énormément de temps à faire. Mais franchement, je regarde le rendu à la caméra et elle est belle. Elle est très très belle, mais ouais, c'est beaucoup de confettis. Et là, j'ai oublié de mettre le V, il va falloir que je le rajoute, mais... Ouais, ce sont des diamants en acrylique. Moi, ça ne me dérange pas. Diamant rond. Et ça brille. Alors, est-ce que je vais vous montrer la brillance? Ouais, quand je la mets comme ça. Vous voyez comme ça brille bien. Mais ouais, le rendu est très beau pour une taille... Enfin, pour une petite taille. Donc, ouais, je vous la montrerai la semaine prochaine si j'arrive à l'avancer. Alors, le prochain DP, c'est lequel? Ah, je l'ai mis là. Bon, c'est pas grave, je l'ai mis là. Ça, c'est le DP matin. Je vous ai dit que je l'ai vraiment pas beaucoup avancé cette semaine parce que je commence le travail super tôt. Je commence le travail à 6h30. Donc, attendez, il faut que je dézoome. Bon, voilà, j'en suis là. Vous voyez, je l'ai même pas terminé parce que j'ai remis les mains. Ah, ça, c'est Luna qui monte les marches. ouais, j'ai remis les mains parce que j'ai pas tout à fait terminé la section. Mais vous voyez, j'ai même pas encore terminé la première ligne. Donc celui-là, il va vraiment lentement. Je le rappelle, c'est un DP de Diamond Art Club qui s'appelle Christmas Home. C'est un 56 par 76 en diamant carré. Et c'est ça, là, sur cette section-là. Il me reste, vous voyez, juste une petite ligne là. Et le P là, un petit peu. Voilà. Peut-être que je le terminerai ce week-end, ça. Ah, et le moins. Mais bon, ça va me prendre comme 5 minutes à terminer cette case. Donc voilà où j'en suis au niveau de celui-là. Il brille beaucoup.
J'ai déjà placé certaines DAB qui étaient incluses dans le kit. D'ailleurs, je pense qu'on les voit un petit peu quand je bouge la toile. Il y en a là. Vous voyez là, ça brille. Et il y en a un petit peu là, entre les épines là. Donc ouais. Voilà, comme je vous ai dit, ça c'est le projet qui avance le moins, je pense. Mais bon, regardez, c'est quand même un projet. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Ensuite, le prochain, c'est le projet principal que je fais dans le cadre de l'événement. Donc le voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez au complet. Voilà, j'ai un petit peu changé pour que la mise au point se fasse. Mais vous voyez, c'est quand même un petit peu pixelisé. Bon, elle est belle, hein? Elle est très belle. Mais c'est un petit peu pixelisé. J'aurais pu la prendre peut-être 10 cm plus grande de chaque côté. Comme un 60 par 60. Mais bon, regardez. Je pense qu'elle va être jolie finie. C'est juste qu'elle est un petit peu pixelisée. Du coup, l'image n'est pas aussi claire. Elle n'est pas aussi définie. Mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, je prends du plaisir à travailler dessus. Je vous l'ai dit que j'aime pas trop le fait qu'il y ait des cercles autour des symboles, que les diamants ne sont pas taillés. Mais je pense que ce que j'aime, c'est la palette de couleurs. J'aime beaucoup la palette de couleurs dans ce DP qui est très douce. Et je pense que c'est pour ça que je prends du plaisir à travailler sur cette toile. Donc, vous avez vu, j'ai terminé deux lignes. Et ce DP, je vous l'ai dit en cours de vlog, hein, je pense qu'il provient de Disney China Store sur AliExpress. Donc comme vous voyez, c'est de la colle double face cette fois. Je ne fais pas beaucoup de DP en colle double face, mais ouais. Donc là, hier soir, en regardant ma série, j'ai avancé sur cette section. Donc là, par exemple, si je laisse la feuille comme ça, là, vous allez voir. Donc il me reste, vous voyez, ça là. Ça, c'est pas encore fait. Mais j'ai fait quand même pas mal. Et ce qui m'énerve aussi, c'est toutes les rivières. Oh là là, je suis constamment en train de les couper. Mais voilà, il me reste encore pas mal juste là à mettre. Et ça, c'est un bloc. Vous voyez, il y a une grosse rivière encore là. Bien que je l'ai coupée hier, elle est revenue. Je ne sais même pas si vous allez la voir. Tout dépendamment de comment je mets la toile. C'est pas facile à vous montrer les rivières. Et les rivières, je rappelle, c'est elle est juste là en fait. C'est quand la colle se décolle de la toile. Et il y a de l'air en fait, mais elle est là, là. Et je l'ai enlevée, mais elle est revenue. Ah là là. Bon, vous savez quoi, je vais remettre ça pour protéger la colle quand même. Mais ouais, voilà où j'en suis, donc je suis sûre qu'elle va, elle va être avancée d'ici le prochain vlog. Enfin, d'ici le vendredi prochain, c'est ça que je veux dire. Et pour terminer, là, je veux faire gaffe. Peut-être que je vais mettre la toile là, parce que ouais, sur la chaise, elle glisse. Donc ça, je rappelle que c'est le DP de Jade & Jam Shop, que je traite comme un DP mystère, bien que ce n'est pas un DP mystère. Donc, l'image provient de l'artiste Carla Rodriguez, aussi connue sous le nom de Doll Étoile sur Instagram. Le nom de l'image, c'est Inspiration, et c'est une 60 par 80 en diamant carré. Et je pense que depuis le dernier vlog, j'ai fait une section supplémentaire parce que, oui, parce que j'ai terminé une ligne sur le DP que vous venez de voir. Donc, j'ai terminé ma ligne, j'ai fait ma section juste là. Et j'ai incorporé des strass, hein, encore une fois. Donc, vous allez les voir là. Vous voyez, il y en a quelques-uns là. Et il y en a quelques-uns ici aussi. Voilà. Donc, ça, c'est toujours un pur plaisir à travailler dessus. C'est aussi une palette de couleurs que j'aime énormément. Et là, je vais être au... Quand j'aurai terminé la ligne, je pense que j'aurai fait le quart de la toile. Je pense, hein. Donc, ouais, elle est grande. Il me reste encore tout ça. Voilà. Il me reste encore tout ça. Il y en a beaucoup. Donc voilà pour les avancées de la semaine. Donc je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Moi, ça me permet de prendre une image pour la miniature sur YouTube. Là, ben, je pourrais la mettre de ce côté. Et le petit DP de télé. Voilà. Voilà au niveau des avancées de la semaine. Donc il y a... Vous voyez des DP de plusieurs compagnies. Là, vous voyez du Jade & Jam Shop, du AliExpress. Donc, ouais, Jade & Jam Shop, AliExpress, Diamond Art Club et Godfell. Donc, c'est les avancées que vous allez voir dans les prochaines semaines. Donc, moi, j'aime bien avoir
des toiles de différentes compagnies, différentes sociétés, parce que bon, ben, ça change, ouais, ça change par rapport à voir tout le temps les mêmes sociétés. Donc voilà, moi il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je retourne travailler. Mais j'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais vous avez des questions, comme d'hab, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et si je les trouve pertinentes pour un vlog, je les reprendrai et j'y répondrai en vlog, mais je vous répondrai aussi dans la section des commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. Et voilà, donc pour ceux qui auraient regardé le vlog jusqu'à la fin, si vous voulez me mettre un emoji de Noël, parce que ça c'est différent, je crois que c'est ce que je vous avais demandé il y a 2 semaines de ça. Moi ça m'indique qu'est-ce qu'il a regardé à la fin. Ça fait un petit commentaire avec des petits emojis, c'est sympa, j'aime ça. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos, j'apprécie énormément. Et je les lis tous. Et voilà, donc ouais, ben moi je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous pouvez toujours laisser un commentaire pour me dire sur quelle toile vous travaillez en ce moment, sur quel DP ou sur quel loisir créatif vous travaillez. N'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook aussi si vous voulez mettre vos photos d'avancée. Ça fait toujours plaisir de voir les avancées. Et voilà, donc ouais, sur ce, ben, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye!